Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc je l'avais commencé un petit peu, juste une minute avant, mais j'étais pas prêt, forcément. J'ai pris une quête donc pour aller dans le système Mberé, à Suzuki Arbital, à l'avant-poste, pour donner 3 produits dopants. Ensuite, on peut remarquer qu'ici, au même endroit, il me demande de donner 4 viandes synthétiques. Donc il me les donne, il me les met dans ma cargaison en fait, et après c'est bon. Voilà, c'est un peu long. C'est un peu long, j'imagine que je les ai maintenant. Donc maintenant, on va dans navigation. On va ici. On met Mberé. Voilà. On met ceci. Hop, parfait. Moi, entre-temps. Hop. Je vais sur eddv.io et je mets donc buy from system, le système actuel, nous sommes à, merde, Orcus, hop, très exactement dans le Tombow Station, hop, et nous allons donc à Mberé, Suzuki Orbital. Hop. Bon, apparemment ils veulent rien de l'un de l'autre. Donc c'est dommage. Non, ils ont aucun intérêt commun en fait. Bon bah écoutez, on va y aller comme ça. On va se faire un tout petit bénéfice, certes. Mais vous voyez, actuellement nous sommes à 2% de marchandage, enfin de marchands, entre guillemets. En commerce, dans le rang de commerce. On va essayer d'améliorer ça en fait le plus rapidement possible. Et on m'a dit que les missions étaient vraiment beaucoup plus efficaces. Du coup on va en profiter un maximum en fait. Hop. Je spamme le bouton pour éviter qu'il décolle comme un con. Non, fais pas le con Maurice. Hop. Parfait. On ne touche pas, on est plutôt bon. On range le train d'atterrissage, pardon. On booste un gros coup. On met pleine puissance sur les moteurs. Et on part à la recherche du cap vers notre système Mberé. Le voici. Et on va aller se faire ces différentes missions le plus rapidement possible. On va se faire une petite séquence de missions. Hop. Je regarde l'heure qu'il est pour être sûr à peu près de voir combien de temps durera l'épisode. Et en fait, on essaiera de coupler ces missions au système de marchandises normales, entre guillemets. Et voir si on peut se faire un petit peu d'argent, donc via le marchandage normal, et un petit peu d'XP au passage, via les missions, tout simplement. Essayer de faire un mélange des deux. Hop. 3, 2, 1, engage. Pouf! Voilà! Bon. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. L'arrivée d'Horizon, c'est pour bientôt. On s'y attardera. Il y a eu quelques petites nouveautés donc assez secrètes arrivées donc, sur cette mise à jour là. Donc la 1. Enfin, sur la prochaine mise à jour, donc il sera la 1.5. Donc on verra bien ce que ça donne. Suzuki Orbital, on y va. Hop, parfait. En plus, c'est pas loin du tout. Donc attention, c'est un outpost. Tous les vaisseaux ne peuvent pas aller dessus. Si vous avez un vaisseau qui a besoin d'un grand pad d'atterrissage, vous ne pourrez pas aller dessus. Il me semble qu'il y a que des moyens et des petits ici. Un python n'ira pas dessus. Un anaconda n'ira pas dessus. Pensez-y. Alors, il y a un mec derrière moi. J'aime pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, ils semblent pas trop intéressés, ils se dirigent dans la mauvaise direction, en tout cas pour m'intercepter. Hop, je garde un doigt sur le bouton pour nous sortir de ce... de cette vitesse supraluminique. De ce FSD. Alors, on arrive. Parfait. On est presque bon.
Et nous sommes bon. Ça y est. Hop, nous voilà. Pareil, désactivé, c'est marrant, j'ai l'impression que mon PC télécharge quelque chose, ma connexion elle a l'air ralentie en fait. Oui, non, non, oui. Je sais qu'ils ont des problèmes de serveur en ce moment à cause de la mise à jour en fait. Apparemment, je crois que c'est aujourd'hui, on est le 9, donc oui, c'est aujourd'hui que la bêta, comment que ça s'appelle pour la 1.5 est sortie. Du coup, je pense qu'ils vont avoir des problèmes de serveur en plus par rapport à d'habitude. Peut-être faire une ellipse. Ellipse. Oups, je me plante de bouton, c'est génial. Heureux, chers amis. Donc ça m'a complètement planté sous les doigts. Hein. Donc on y retourne. Hop. On est à 41 SL, on pouvait pas être plus loin. Mais bon, c'est comme ça. Bah du coup, je vais pour faire une ellipse en fait, tout simplement. Voilà, heureux, chers amis, on a fini par y arriver. Wouh! Tant bien que mal. Alors. Ouais, un petit peu trop tôt. Parfait. Hop. Appontage automatique en cours. Donc là, on va se faire un profit de 32 000 ou 33 000 crédits à peu près. C'est pas énorme. Mais on va peut-être passer de peut-être à 2% à. Si on peut passer au moins à 5%, ce serait cool. Soyons honnêtes. Parce que à terme, normalement, ces missions-là nous rapporteront énormément d'argent. Pensons-y quand même. Moi, j'en profite pour aller modifier donc MBR vers le prochain point qu'on ira. Hop, voilà. Forcément, pile poil quand je fais ça, le jeu ne veut pas, le site ne veut pas me donner la station en question. C'est génial. Donc j'espérais être à 5%, donc faire 3% au total. Je crois que c'est ça, hein. 3%, ce serait pas mal. Hop. Ah, on n'est pas monté du tout, hein. Alors là, il faut que j'aille au système Orcus. Donc je retourne au système Orcus, c'est pas mal. Ben, je suis pas allé voir quel. Hort Gateway, d'accord. Schmidt Terminal, bon, on se fera les deux, c'est pas grave. Hop. J'aimerais pouvoir monter un maximum mon rang de marchand. Mais j'ai l'impression que c'est pas gagné. Hop, je sais qu'il n'y a aucune denrée à échanger entre les deux stations, malheureusement. Donc bon, on va réessayer, hein. Si ça ne monte pas d'un seul petit pourcent, je vais pas continuer dans cette voie-là. On va quand même y consacrer un épisode. Je pensais que ce serait un peu plus efficace, à vrai dire, je vous l'avoue. Ah bon? Alors là, franchement, je comprends pas pourquoi. Hop. Orcus, on est bon. Hop. Propulsons un maximum. Allons-y le plus vite possible. Dis donc, mais c'est qu'il est lent le chargement. Oula, oui, pardon, c'est moi qui me plante en plus. Je l'ai trouvé assez lent le chargement, c'est marrant. Allons-y. À commencer par la plus proche, hein, forcément. Je crois que je n'ai pas à Tombeau, justement. Hort et Schmidt. Hop, allons-y. 17 années-lumière, c'est pas énorme. Alors, Hort Gateway.
En sachant que si jamais on passe sur un vaisseau plus gros, il me semble que le type 7 prend déjà un plot. Non, je crois pas qu'il prenne un plot gigantesque en fait. Faudrait que j'aille voir. J'ai un doute. À vrai dire, j'ai vraiment un doute. Est-ce que c'est petit, moyen et grand ou est-ce que c'est petit, grand, grand? Je ne sais plus. Ceux qui savent, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires la taille des vaisseaux, en fait, la taille du comment du dock pour poser un type 7. Je serais ravi de l'apprendre. Alors, on avance à rien. Hop. Parfait, on y est. Donc, Hort Gateway. Ok, encore un petit coup de boost. Non, ça va aller en fait. Hop. Crac. On y va. Donc ici, on va donner Hort. On va donner pour à peu près 11 000 crédits de récompense. Est-ce qu'on a évolué? Toujours pas. Toujours 2%. Je croise les doigts, chers amis, hein. J'espère qu'on va pouvoir grimper un petit peu, au moins jusqu'à 5% dans cet épisode si on fait que ça. Ce serait pas mal. À vrai dire, je commence à avoir des doutes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On est déjà qu'à 84. 80. On est en mode lenteur. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Alors, direction la cafétéria. On s'arrête pas sur le dock, directement à la cafétéria. Alors. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ça s'est plutôt bien passé. Tableau d'affichage, est-ce que ça va être plus rapide? Apparemment non, hein. C'est vraiment les serveurs qui veulent pas. Alors. Alors. Voilà. Donner la cargaison. Nene, nene, nene. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas vraiment envie de faire ça. C'est chiant. Non, je le fais pas. C'est pas grave. Je le ferai à tout péter, je le ferai sur la prochaine. Donc là, nous dirigeons vers Schmidt Terminal. Si à Schmidt Terminal, il y a des esclaves vers un autre poste, attention, hein, je le précise, vers un autre poste, j'irai potentiellement le faire. Attention, je deviens un délinquant. C'est pas grave. On y va. On pousse. Hop. Parfait. Encore un petit coup de boost. De mieux en mieux. On y va. Alors vous allez voir qu'on va se bouffer un coup de frein direct à cause de cette putain de planète normalement. Hop. Ah non, ça va. J'aurais cru pourtant. Ce jeu ne m'étonnera jamais. Ah si, voilà, on freine là. Regardez. On est en train de passer sous l'astre. Enfin, au-dessus de l'astre. Du coup, le vaisseau, par précaution, lui décide de freiner. Donc bon. Moyen. Allons-y. Allez, pousse. Pousse, petit vaisseau, pousse. Déjà qu'on avance à rien. En plus, il n'y a pas loin. On devrait y être assez rapidement. Je dis bien devrait, hein. Parti comme c'est pas gagné.
Oh nom de Dieu. Allez, pousse! Qui c'est qui veut sortir pour pousser? Qui c'est qui veut sortir pour pousser? Ça y est. Ça y est, on y arrive. Oh putain. On est bon, chers amis, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Allez, encore un poil. Parfait. Fou! Allons voir ce qu'ils ont à nous offrir. Dernier coup de boost, non, tu veux pas. Hop. C'est parti. Alors, on approche. Très jolie cette station en blanc, pardon, j'arrive plus à parler. C'est ma 7e vidéo de la journée, je suis un petit peu crevé maintenant. Hop! Et demain, j'en aurai bel et bien 7 ou plus, entre 7 et 10 à tourner. Donc ça va être d'une violence aussi, une violence rare. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ça y est, le pad est là. On va y arriver. On va y arriver. C'est supposément censé être plus rapide. Et je n'irai pas jusque-là. Hop là. Ah non, c'est joli quand même, hein. Parfait. Service de spatioport, allons voir. Donc est-ce qu'on a grimpé un petit peu? Est-ce qu'on est passé à 3%? Même pas. Tableau d'affichage. Et là, on va se faire du mal. C'est d'une violence. Apporter la cargaison. Parce que là, on est passé à 8. À 3, pardon. Non, même pas. Voilà. Système merblé. Transport, d'accord. Donc là, on se fait. Là, on se fait. Là, on se fait 18 000. Là, on se fait 86 000. On va partir sur 86 000. Hop. À la station de Arevakimos. Arevakimos. Ok. C'est là qu'on va. Donc on a deux sauts au total à réaliser, c'est pas un problème pour nous. Et ben on va décoller. Tant qu'à faire, ils ont rien d'autre à nous proposer? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, non, clairement pas. Refusé. Hop. Et ben on y va. On va se faire 100 000 crédits là-dessus. On va bien voir si ça nous fait grimper un petit peu notre niveau. Parce qu'on n'a pas du tout bougé depuis le début de l'épisode, alors que c'était censé être fait pour bouger les niveaux. Alors. Alors malheureusement dans les autres postes on a de très très peu de chances d'avoir des marchés. Et encore pire, encore moins de chances qu'ils soient rentables entre guillemets. Donc bon. De ce côté-là on n'a pas de bol. Hop. Allez! Parfait! On y est presque, c'est bon. Dans la bonne direction. Maintenant, on va attendre un petit peu le chargement et on va y aller. Et on pousse! 2, 1, engage! POW! C'est comme les cubes dans Mario, ça fait POW! Alors.
Hop, Areva Kimo aussi juste devant. C'est parfait. On y va, on traverse le soleil, puis après on passe. Parfait, allez, on lance. J'ai pas peur. Je devrais peut-être, à vrai dire. Hein. Non, ah non, ça a pas passé. Hop, c'était juste important. Ça s'est pas joué à grand-chose. Hein. Hop, allez, pousse. Shake, tu peux le faire! Hop, pleine puissance. Allez. Hop. Alors. Parfait. Hop. Maintenant. Finlay Freudlich Hub. La voici. Ok. La voilà. C'est bon. On l'a trouvé. Donc 32 SL, ça devrait être assez rapide. Pour 88 000 crédits. Donc ça va. C'est vrai que c'est pas le kérosène qui nous. Enfin là, pour le coup, c'est de l'hydrogène. C'est pas l'hydrogène qui nous coûte cher. C'est Freundlich, pas Freudlich. Ou Freundlich. Freundlich. Mais c'est ça, parce que si je me trompe pas, SH se dit ch et CH se dit tch. C'est Freundlich. Bref. L'allemand, voilà quoi, ça remonte à ma quatrième et ma cinquième. Quoique non, ma quatrième et ma. Cinquième, quatrième, troisième, seconde. Oh la vache. Et pourtant, je peux rien vous dire en allemand à part Bis du Bier zu trinken. Veux-tu aller boire une bière? C'est triste quand même, hein. Ah si, et toute mir light, Peter. Ça, c'est parce qu'on écoutait toujours la même cassette, en fait. Enfin, même pas, c'est même pas qu'on écoutait toujours la même cassette, c'est qu'on est toujours. On écoutait toujours le même chapitre. Je suis désolé, Peter. C'est même pas Peter, c'est Peter. Comme le coussin, tout à fait. Bravo à ceux qui y ont pensé. Hop, allons-y. C'est pas le tout, c'est qu'on s'est rien fait encore. Hein. Même pas 1%. Allons-y. Hop. Parfait. Ok, c'est parti. Voyons voir ce que ça va donner. Faites qu'on gagne au moins 1%, ce serait pas mal. Sinon, je vais l'avoir dans le fion. Et très profond, qui plus est. Ce qui me ferait beaucoup de mal. Alors. C'est la musique sort, c'est cool. En douceur, avec finesse, te bouffe rien. Voilà. En douceur, on a dit. 35, juste à la droite. Ah, va nous faire un créneau, je le sens. Il nous fait un créneau. Regardez-moi ce talent. Alors si vous avez toujours une touche pour la vue entre guillemets, la caméra libre, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Hop. Alors, service de spatioport. Voyons voir, est-ce qu'on peut gagner un misérable pourcent ou pas? Un misérable pourcent ou pas? Même pas. Pour 100 000 crédits, on gagne même pas 1%. Bon.
Bon, écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Malheureusement, je pense que je vais pas continuer dans cette optique-là en tout cas. On va plutôt retourner sur des stations et faire du loop. Quant à moi les amis, bah, je pense que je vais vous laisser là. Donc, bah, je me répète. Oui, je me répète, c'est violent. Et donc, on va se retrouver simplement pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci en tout cas. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me suivre si vous voulez voir les nouveautés de Elite Dangerous Horizon. Donc, à partir du 24 novembre, en bêta sur la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Je sais pas combien de fois je me répète dans cette phrase, mais ça doit être violent. Faudrait que je m'écoute des fois, mais j'aime pas ça.